Recording finished. Hop, allez, je réactive comme mon micro. Quand vous êtes prêts, je réactiverai le Discord. Oh, oh putain, Croc sera spécial. Attention, on est tous on stream. Ma femme qui va me regarder pour se foutre de ma gueule. Ouais, allez. Même pas. J'ai quasiment fini ma game. Je passe une porte et j'arrive. Je la retrouve dans la liste. Je vais créer un sondage. Parmi tes. Non, un sondage, je vais mettre qui veut voir la tête d'El Tank. Va te faire foutre, Patisse. J'adore. Mais qu'est-ce que t'as contre la tête d'El Tank en plus, je comprends pas. Rien, c'est parce que, en fait, si tu veux, pendant un stream, on regardait Furieux, moi et El Tank, on s'envoyait les photos pour qu'on voit un peu nos gueules, tu vois. Et à un moment donné, donc, ma femme voit Furieux. Elle dit, oh, ça va, il est charmant. Et là, il y a la tête d'El Tank qui passe. Elle fait, oh mon dieu, qu'est-ce qui est dégueulasse. Oh mince. Mais c'est ça. Ah, c'est moche. Ah si, t'as dit ça, je te promets. Ouais. Et du coup, bon, j'ai rigolé. Après, elle a le droit, c'est son droit. Ouais. Mais le concours de circonstances, c'est dégueulasse. Voilà. Et c'est également le droit de lui dire que je l'emmerde. Ouais, c'est ça. Et lors d'un second stream, et c'est là que c'est très drôle, j'étais en train de streamer et tout d'un coup elle dit bonjour dans le micro pensant que, bah, qu'il y a Furieux, El Tank, tout ça. Je dis bah, El Tank, ça devait lui manquer d'entendre ta voix. Elle dit ah oui, on lui a fait des trucs rigolos à lui. Je dis bah ouais, tu dis qu'il avait une sale gueule et que tu préférais Furieux. Oh mince. El Tank qui commence à répondre, qui fait mais je t'emmerde, et moi qui répond à la femme, je sais, en plus c'est pas qu'il a une tête dégueulasse, c'est qu'il a pas un physique facile, c'est différent. Ah ouais, non, vraiment ce soir là, oh, j'ai bouffé. Oh merde. Et le pire, c'est que j'ai mis la vidéo sur YouTube et qu'au début de la vidéo t'entends le dialogue. C'est mais non. Ah si, bah attends, je t'envoie la vidéo, si t'as pas entendu ça. Ah, c'est au bout de une petite minute, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et El Tank qui m'a bien dit qu'il me le ferait payer un jour. Et franchement, il aura raison. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Tellement j'ai ri. C'est moche. Ouais, d'accord. Voilà. Tu vois comment on me traite dans cette escadrille, Nemo. Mais non, t'es bien traité. Beaucoup d'amour. Vache, mais de l'amour. C'est ça. C'est ça. C'est les pédopsychiatres qui disent que quand t'as des frères et sœurs, tu sais, qui se crêpent le chignon tout le temps, ils disent bah c'est de l'interaction, donc c'est bon, c'est bien, c'est pas grave, c'est de l'interaction. Qu'est-ce qu'on c'est fait pareil. Là quoi. C'est de l'amour quoi. C'est... Bon, c'est pour ça que j'entends rien en fait. C'est des trucs rigolos lui. Ouais, t'as dit qu'il était moche, il est très vexé là, qu'il a dit que la. C'est El Tank, ça devait lui manquer dans ton temps. Attends, tiens, je t'envoie ça dans le chat, mon cher Nemo. Je t'ai mis la séquence, en plus, c'est rigolo. 18. Je vous la mets dans le chat pour ceux qui veulent, parce que c'est rigolo quand même. El Tank, il a envie de me buter, je parie. Il a les droits modo, il va aller sur le stream, il va envoyer le message. Ah non, bah les droits, les trucs posés sur Twitch, je sais pas en serveur et puis je ferai rien à ce niveau-là. Non, c'est que je suis sur SRS en Madawax. D'accord. J'écoute de ce qui se passe. Tu passes aux 1000 points de stream et t'interdis une action à Patisse. Par exemple, l'interdiction de démarrer le moteur. Alors, tu sais que j'en ai 3000 des points. Oh merde. J'en ai 3300. À tout moment. Ouais, c'est pas grave. Je fais un truc. Alors attends, je vais vite aller changer ça. Où c'est que c'est ? Interdire une action, s'éjecter. Point de chaîne. Alors les points de chaîne. Tu meurs avec ton avion. Point de chaîne. Vous voulez choisir une émoticône, envoyer un message, me dire, mettre son message en. Non, vous avez même pas ça en plus. Modifier une émoticône. Bannir une action de jeu. Mais pourquoi j'ai mis ça moi ? Mais je suis fou. Mais pourquoi j'ai mis des choses comme ça ? Parce que tu aimes, tu fais faire du mal. Non, mais attends. On va modifier le prix. On va modifier le prix de suite. On va le passer à 2500 déjà. Elle est buggée la radio sur Sochi. Voilà. Ah, l'IA. Ouais. Oh, comme d'habitude.
Le test est sous stéroïde, hein, comme d'habitude. Alors attends, je vais juste aller voir mon emploi du temps de demain. Oh, je me tire une balle dans le pied. Mais hein. Je mets un montant à au moins 5000. 5000 points de chaîne pour celui-là. Alors le DT, à quoi il ressemble demain? J'ai rouvert le tir pigeon, cette fois-ci sur les B-17, et il y a beaucoup plus d'avions. Ouh. Attends, je suis en train de mettre... Il est ouvert, le serveur? Affirme. En guise de point de chaîne, là, je me tire une balle dans le pied, mais réellement... Écoutez, une heure de Lock Radar F-18. 5000 points. En stream, bien sûr. Non, c'est pas oui, drôle. Le salaud. Et tu regarderas le stream en plus, je suis sûr. Ah oui. Le grand plaisir. Il me verra souffrir. Avoir cette torture. Eh ben, tu sais quoi, El Tank? C'est toi qui choisiras la vidéo. Dès une heure. Oh putain, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Je suis au bord d'en faire une. D'en faire une sur mesure. Ah, tu me ferais pas ça, tu m'aimes bien quand même. Hein, oh, tu ferais pas ça. Ah, non. Le chef il a sorti le Fuck Wolf. Ah, ça rigole plus. Ah, sur une donnée précise, les mortiers. Oh putain. Bon bah, y a des bombardiers qui vont faire boum aujourd'hui. Ah, bah, les bombardiers vont pleurer. Hein. Ah, on est déjà en l'air, c'est cool. J'aime bien me faire. Cockpit. J'aime bien me faire monter en l'air, ça tombe bien. Ouais, je sais bien, t'as bien raison. Bah, t'inquiète pas, je te montrerai demain. Oui, bien sûr, allez. Ils sont armés, les B-17? Alors, certains sont pas armés, mais je les ai mis à interdiction de tirer. Tu peux les, okay. Tu pourras les jeter, s'il te plaît? Merci, mon amour que j'aime. Ah, les B-17, c'est des sacrés trucs, hein, quand même. Si celle-là ouais. Passe. Mais ils ont meilleur des points faibles. Entre les deux moteurs. C'est ça. Ok, ah ouais, c'est plus costaud que tout à l'heure, déjà. Ok, ma verre se lance. Ma verre, si ça prend un peu de temps. T'inquiète pas, on a l'habitude que tu sois long. Je vais regretter mes paroles. Qu'est-ce que je vais regretter mes paroles? Pour info. Quand on va se placer derrière avec les Focke-Wulf, on va commencer à tirer la roquette. Attendez avant de foncer sur les B-17 que les roquettes soient passées. Ouais. Ok. Parce que ça fait crocaboum quand même. Crocaboum. Tu peux les one-shoot avec ça? Oui. Oh. Attends, mais il est où C'est du 210 mm. Hein. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'as sorti ça, toi. Ah, d'accord. Et il doit sentir un petit peu seul le mec qui a la mitraillette à l'arrière, là, tout à l'arrière, là, au niveau de la queue. Hey, les gars, j'en vois plein, je vois un chasseur aller sur moi. Là. Surtout qu'il doit ramper pour aller derrière. Et la trappe pour sortir, c'est sous la dérive, la gouverne de profondeur. Oh merde. Blitz. Les mecs, ils en avaient dans le pantalon à l'époque, hein, quand même. C'était la guerre, mais quand même, hein. Putain. Bah, on mettait toujours l'inexpérimenté derrière, c'est le premier qui mourait, donc forcément. Let's go! Mais il y en a des avions comme ça qui ont vraiment survécu à la guerre. Oui. Oui, mais il y a des qui ont survécu à la guerre. Puis ouais, ouais. C'est un très bel exemple. Hein. D'ailleurs, est-ce que je l'ai mis Pink Lady dans la skin? Pink Lady, c'était un B-17, c'est ça? J'ai réussi à taper le mode passe. Je vais déjà regretter mon truc de point de chaîne que je viens de faire. Je le regrette déjà avec El Tank. Et oui, Nemo Pink Lady est un B-17 qui est stocké actuellement à la Ferté Allée. D'accord. Tu veux te pointer au meeting, il y a des nanas le matin. Ah, putain. Mais du coup, il a des missions de combat à son actif quand même, j'imagine. Oui, oui, oui. C'était un radar. En fait, il pointait au radar pour les autres bombardiers.
un close. Oh, il a quand même un petit tableau de chasse. Parce que ça, ça semble tellement indécible. Il y en avait beaucoup, et les amants n'ont pas pu tout taper. D'ailleurs, faut que j'enlève l'action de jeu de croc. Elle est toujours en... Ou alors elle est finie. Non, elle est finie. Là, je serais curieux de savoir tiens, combien ils en ont perdu des B-17. Pendant toute la guerre, parce que ça devait être la cible favorite des chasseurs. Quoi. Oh oui. Je veux dire, il y a de Lancaster aussi. Ça oui, mais ça c'est de nuit. Mais il y en a eu moins aussi. Perso, je suis good. Je suis good aussi. Ok, ben je retire la pause. Voilà. Ouais. Je sais pas pourquoi mon aéronef là il grimpe d'un coup quoi. Parce qu'il est pas trimé. Parce qu'il met les trims toujours au neutre. Ah ok. Waouh. Wow. Allez, on va essayer de reprendre la main. Ouais. Du coup je vous ai. Non c'est bon, je vous ai. Ça croise bien un peu. Alors, la grande question c'est où sont les pigeons? Droit devant. Ah bon, bon c'est sympa de tenir. Droit devant, je les vois pas. Oh, ne vous inquiétez pas, suivez le chef. Il arrive à parler voir. Quand vous verrez des gros bouts, ça va? Ah, bien sûr, c'est là où ma petite décide de descendre faire un câlin. Ça va, mon chou? Tu vas te coucher? Oh. C'est mignon. C'est adorable. Elle est juste venue faire un câlin. C'est beau. Ouais, elle est choupette. Bon, faut regarder une de nos têtes. Quoi, au-dessus de nos têtes? Qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, des nuages. 5 boxes. 6, pardon. Hein? Pourquoi il part? Hein? Ouais, on a 6 boxes de 4 appareils au-dessus. Ah ouais, ouais, visuel. Oh putain, oui. Oh la vache. Va falloir grimper, les amis. C'est des avions qui sont ça. Désolé mon petit moteur, je vais t'en demander, mais Putain, la biocentre, bordel. Eh ouais, la biocentre. Non, ça sert à rien, ça. C'est pour les touristes, ça. La gaz, pas le choix. Et on a le droit de shooter ou pas? Oui. Oui. On a le devoir. Non mais t'imagines, je les ai perdus de vue, ils sont où? J'ai un espèce de reflet sur ma verrière. Éjecte-la, c'est surfait la verrière. Ouais, ça sert à rien ce truc là. Pour info, ils sont à 4000 mètres. Où, t'as dit? À 4000 mètres. 4000 mètres, ok. Voire même plutôt 5000. Et je suis où moi? Je suis à 4000. Presque à 4000. Pas encore à 4000. Ouais, mais faut pas se. Faut pas se mettre dans leur 6. Ah, on est dans leur 6 déjà. Non, enfin, je veux dire, derrière eux, comme t'as fait tout à l'heure, quoi. Bah, on était pas pile pile, au lieu de vous régler l'altitude. Ils ont des canons à l'arrière. Ah, ils sont pas armés. Enfin, ils sont armés. Ils ont des munitions, mais c'est marqué non tir, retiré. Ah. En gros, tu le tires au pigeon. C'est ça. C'est comme avec C47. Mais eux, ils ont un vrai modèle de dégâts. Pour s'amuser. Je les vois pas, c'est dingue. Ah si, je les vois. Il y a les étiquettes ou pas pour un, juste pour savoir. Je sais pas, interdit. J'en ai pas spécialement besoin pour le moment, mais ils doivent pas y être. Ah moi, elles sont off de mon côté par défaut, donc. Hein. Pareil. Non mais écoute, ça va m'entraîner. J'arrête de faire ma chochotte et ça va bien se passer. C'est vrai que ça se serait pas mal. Salaud que je suis. Ok, roquette armée. Oh putain. Roquette armée.
Hein? Comment ça, roquette armée? Ah, oui, ils ont des roquettes. Fiche. À démortir, quoi. Petite indication pour tir, quoi, ou. 900 mètres. Et oui, tu tires. Enfin, tu dis fire. Hein. Alors, 900 mètres. Alors. Un B17. Alors, base, Fortress. Alors, Boeing, 31.6. C'est ah. Le dernier trait vertical avec 4 traits horizontaux. Ouais, ouais, vu, je viens de voir ça, oui. Ils ont marqué l'emplacement des B17. Ok, ça c'est cool. Ça vole vite, ces trucs-là. Alors, distance de tir. 900 mètres, on est là. 348 km/h. Ok, ah quand même. On est à 10 km de plus que les C-37. Je vais attaquer le groupe à gauche. Je attaque le groupe de derrière. Je suis derrière toi, ok. Bien, je le déporte légèrement à droite. Ça fait un réticule. Et vise avec le haut du viseur. Avec le haut du viseur. Ah oui, tu vois, parce que du coup les morceaux partent vers le haut. Il y a vu. C'est ça. Donc au niveau portée, donc c'est quand les ailes du B17 rentrent. Entièrement dans le cercle, ouais. Entièrement dans le cercle, ok, j'ai vu. Ça paraît devant nous. Ouais, oui. Je m'aligne pour le groupe à droite. Ça va être une première pour moi. Ah, c'est toujours mémorable les premières. Oh putain. Pas toujours bien, mais c'est mémorable. Oh putain. Au rideau. Au rideau. Ah, tu veux celle-là, tu préfères? Ring 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 banana phones. Ring 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 banana phones. Le PS9 qui est devant moi, un conseil, dégage là, ça va faire bientôt boum. Bon bah le PS9 va faire boum avec hein. Hop, fire. Oh putain, mais c'est sur moi qui tire le con. Pas pété. Oh. Je l'ai marqué. Allez, il dégage. À toi. Ouais, je suis sur le groupe de droite. Ah, non. J'en ai marqué un. Non, mais 109. Quitte la formation. Suicide, ou ça se passe comment là? Ah, mais moi à chaque fois. Alors, t'es candidat au suicide là, parce que t'es sur le groupe que j'attaque. Pas pour ça, ah, dégage de là. Ouais, c'est bon, j'ai dégagé. Non, mais par contre, lui, celui qui est en feu là, non? D'accord. Ok. Oui, il meurt pas. Ah, si, j'en ai buté deux quand même déjà. Et. Foya. Ouais, ça fait boum! C'est pas aussi, hein. Putain, mon règle était bon en plus. Vache! Eh ben, à la chasse libre! On joue. Ouais. Hop, c'est le B17. Allez, avec la technique. Hop là. Tu reprendras ton. Ta règle pétée pour mesurer à combien, à quelle distance je suis passé du. Du B17, hein. Au stream. Faudrait que je t'envoie une photo de ce fucking écart que j'utilise au départ. Déjà, tu m'envoyais déjà une photo de ton câble management, j'ai fait une syncope. C'est pas si mauvais que ça. Tu tiens vraiment ce qu'on en parle ou pas? Bon, c'est comme tu veux. Hein. Ça saute là-bas. Je sais plus qui un jour qui m'avait envoyé une photo de son setup pareil. Et comment dire, il avait oublié de fermer une page internet.
avec des couleurs très spécifiques, on va dire. Ouais, reconnaissable. Hein. Là-bas. En plus, je suis un connard, j'avais fait l'air de rien. J'ai juste marqué en commentaire, oublie pas les mouchoirs. Oh, parce que par contre, c'est beau en fait, en vrai, pour pas payer cette cramée. Allez, 3 de moins. Démarqué. Déjà ? C'est pas compté, moi je vais être en pareil. On a tué combien ? 2 ou 3. Mais moi, ils sont pas. Enfin, moi, ils rompent le combat, c'est bon, ça marche quand même. Ah, ou vous, c'est abattu, abattu. Moi, ils sont en flamme. Ah, ouais, quand même. Allez hop, démerde-toi avec ça. Raté. Le jour où on pourra ressentir les légers en dans un simulateur. Hey, 3 de moins de plus. 6. Déjà, je suis à 4. Ah, il est en feu. Ah ouais, vraiment, quand tu tires entre les deux moteurs, c'est... Ah, c'est instant. Ah ouais, c'est... Juste à la mitraille, en plus. Hein. C'est pas le C-47 de tout à l'heure. Hein. Et ouais, ils ont un meilleur... Meilleur modèle de dégâts, j'en ai 4 de comptabiliser déjà. Il y a 3. Ouais, perso, je compte pas. On arrête de compter. Juste tirer sur tout ce qui bouge. Enfin, sauf les alliés, évidemment. Là, on saurait gré. Je comprends. Qu'est-ce que c'est cool le Warburn. Va falloir que j'aille poser moi. Pas de commentaires sur ce qui vient de se passer. Ok. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, j'ai peut-être failli me bouffer un B17. T'inquiète. Bon, par contre, si je remonte devant les crottes, ça va pas le faire. Et un de plus. Un de plus. Oh là là. J'adore les parachutes qui sont derrière. Non, j'ai plus de balles. Attendez, j'ai dit un de plus, mais je me suis peut-être avancé. Ah non, ils iront le combat. Moi, il est en feu, mais ouais, ils iront le combat aussi. Ah, s'ils sont en feu, c'est bon. Globalement. Oh putain, sur la carte, nombre de parachutistes. Ça crame. Il y a 11 personnes dans un B17. Ah. Ah bah il y a du parachutiste de partout. Saint-Laurent-sur-Mer c'est allié? Ouais, toutes les bases sur la côte sont alliées. Ah on tire sur le même, je sais pas qui est-ce qui est en train de tirer. Je vais sur un B17. Bon, allez, coupez lui l'aile. C'est bon, il est en feu. Attends. Moi, je me pose, je me pose pour ravitaillement du coup. J'ai encore de quoi faire. Quoi ? Ils sont où les autres ? Ah putain, c'est vrai que demain je l'amène. Oh là, celui-là il est carrément en feu quoi. Le pauvre. Là j'ai de la peine. Non, là ça me fait de la peine quand même. Je crois ce qu'on lui a mis quoi. Oh. Je vois plus les autres, ils sont où ? Mort. Ça me rappelle. Y'en a plus ? On les a tous eu ? Ouais. Ah, ça me rappelle la scène. La ah, bah, et tant que je viens sur toi, reste, bouge pas. Vas-y, je descends du place là-haut. Non, de toute façon, ça va dépendre du vent de nuit. Pour tous les orifices, hein, littéralement. Hein. Ah non, c'est pas le tank, ça, c'est quoi? C'était pas le chef, ça? Celui qui bat des ailes, c'est Croc. Ouais, c'est celui qui a plus d'hélices, c'est moi. Ah ouais, donc c'est toi en fait, ok. Bah, en fait, si tu veux, je me suis bouffé un débris du B17. Tu vois un BF-109 devant toi qui fait des...
Non, là il y a un BF 100. C'est pas un BF 109? Si, t'es en BF 109, le tank? Non, je suis en D9. Ah, ok. C'est bien le tank. J'ai un visuel sur, okay. sur un 109. Ouais, c'est moi qui fais des zigzags devant toi. J'essaie de te rattraper, de te rejoindre, mais j'y arrive pas. Trop rapide, mais j'y vais. Sur toi. Donc, faut que je fasse gaffe, moi, à ma vitesse quand même. Aïe, je suis mort. Adieu. J'ai décroché. Je confirme, plus de B17 en état de combattre. Et je t'ai perdu de vue, le temps que bon, c'est pas grave, on va aller vers un terrain. Il y en a un, il est en feu, mais il a 16 000 pieds encore. Je me demande si j'ai pas des dégâts, moi, structurels. J'ai comme une alarme dans mon... Un mu... Non, attends, il y en a un qui rentre. Il y en a un qui rentre, se lâche. Là-bas, je sais pas ce que c'est. Ok, c'était... J'avais mis un tout petit peu de flaps, c'était ça l'alarme. Ah oui, alors l'alarme des flaps, ça veut dire que le train n'est pas sorti. Attention, n'oublie pas de sortir le train. Ah ok. C'est où là qu'on doit se poser? Où vous voulez, sur n'importe quelle piste, du nord. Perso, que ce sera... Moi j'aurais pas le choix. Non, ok. Bah je vais vers la mer et puis on verra. Moi je vais buter celui qui reste. Hein. Ah bah je t'en prie, je vais poser sur l'angle super. Qu'est-ce que c'est cool le Warburn, franchement. Il est sur le terrain. Ouais, sur le volet, je vais le poser là-bas. Attends, j'ai trop de choix. Voilà, j'en ai un au-dessus de moi de terrain, mais j'essaie de me mettre sur un des vôtres. Vous êtes posé où, vous? Il y a personne qui est posé encore? Non. Il n'y a que Patis qui a tenté de se poser. J'ai décroché comme une merde. Je vais sur le mollet, j'ai plus d'hélice, j'ai plus de mots dans l'angle. De toute façon, l'axe est plus cassé. Ben, j'arrive sur le mollet là. Ouais, je vais aller sur le mollet aussi. Le mollet, alors attends, est-ce qu'on peut repérer un truc au sol sur le mollet ou. Y'a oui, pas grand chose en vrai. T'as une grande forêt et au nord de la grande forêt, t'as la piste. Ok, je vois la grande forêt et je vois la piste. Ça, c'est le mollet, cette piste là. Ouais, je suis trop haut, je suis beaucoup trop haut. Ah ben mon moteur a calé, c'est super. Ah. Ok, ouais, je suis presque vertical le mollet. Mais je suis beaucoup trop rapide. Et le B17 qui va me passer devant la gueule. Alors, je l'aurai. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Parce qu'efficace, efficace, c'est pas cher. C'est la maf que je préfère. Qu'est-ce que tu cherches, Altank? Il y a deux, hein, c'est sur le D9, du coup il y a deux vitesses indiquées, deux soins de 180 km/h, mais je me souviens plus trop de mon allemand, je te fous. Fahrwerk aus Über, donc c'est train d'atterrissage au-dessus de 200 km/h, et Landenklappen aus Unter 295, c'est les volets d'atterrissage en dessous de 290 km/h. Je vois un avion en feu qui tombe, c'est quoi? Ah, un B17. Un B17, ok, bon bah. Le seul qui reste, il est chez moi, mais je sais pas où il est. C'est ramassé là-bas. Et je vais mettre vente derrière main droite, mais je sais pas pour quelle piste c'est. Alors j'arrive en base pour la seule piste que je pourrais faire. Moi je vais me poser du sens terre vers mer. Mer vers terre, et moi j'ai pas le choix. Non, moi terre vers mer. Moi. Ah, toi t'es mer vers terre. Moi j'ai le choix, je peux encore faire un tour s'il faut. 22-4. Moi je fais un tour, comme ça on se pose dans le même sens. Je suis mer vers terre et je vais en légère mer même si vous voulez. Ouais, bah, pose-toi. Moi, tout va bien pour. Mer sur terre, c'est cap 22. Bah, je vais prendre ça. Ouais, pas tout, 200, moi. 295. Oh la vache. T'as plus l'hélice, on est d'accord. Ouais, donc. Ça. Bon. Ah, le tank. Ok. Parce que fais attention parce que le foco, c'est une train électrique. Donc, quand t'as plus de batterie, bah. T'as plus de train d'atterrissage, t'as plus de volée. Ouais, ah, c'est con ça. J'ai tout déployé donc. Ça tombe bien. Ouais, oui. Là par contre, cette bille dans le BF, elle est quand même fuyante. Hein. Dès que tu mets un peu de gaz, bim, ça part dans tous les sens. Ouais, parce qu'il est très coupleux. Ouais. On peut. Non, on peut pas ajuster son siège dans le BF 109. Non.
Ah, parce que cette barre là, qu'est-ce qu'elle m'agace. Je vais lui poser, elle tank. Bon, ça me fera de bien, mais sûr. Poser pas cassé. Ouais. Bon, bon. Ok, je suis en intérieur main droite pour la piste. Pas de 22 du coup. Moi tout à l'heure j'ai posé, j'ai rien cassé. Que dalle, même pas d'hélice. Oh. Pour décoller dans ces cas-là. J'ai des captures d'écran qui le prouvent. Je suis même allé me garer à côté du chef. Ouais, je confirme. Bon, par contre, le mécano il était rouge, on sait toujours pas pourquoi. On voit rien sur les captures d'écran donc. Ah, fuck. Quoi? Je suce ce pain, je pompe délicatement. La semaine prochaine, j'attaque l'os. Ok, je me mets en état de base. Et toi, tu rentreras pas chez toi, toi. Reviens ici, j'ai ma maison. Oh putain, oh putain, oh putain, je suis une merde, je suis une merde. Je crois que j'ai pété l'avion, non? Il est en flamme, c'est bon. Ouais, non, mais moi, je m'éjecte. Oh, t'as une dérive, ça vole. Non, ça vole pas, non. Mais si, il penche en avant, quand le nez contraire à cette position. Oh. Je suis lâche, monsieur. Hey, j'observe Nemo, atterrissage. Faut penser au récif artificiel. Jusqu'à 3210, ça fait combien sur mon triple décimètre ça? Ah, quand même! Ah oui, je viens de capter 210 mm ce que ça faisait en fait. Eh, hey, c'est gros hein! Ah ouais, ouais, c'est gros. Allez, Nemo, c'est... tout le monde te regarde. Ouais, enfin, quand je dis tout le monde, c'est 6 personnes. C'est plus quasiment aussi gros que 10 points alignés quoi. Ah, le truc c'est... Le machin fait la taille de mon coude jusqu'à mon poignet quoi, s'il te plaît. Ouais. Oh là là là. Oh putain. Ah mais pire que moi. J'ai pas relevé le nez, je sais pas pourquoi. C'est peut-être pas assez rapide. C'est combien de bières ça chef? J'étais à 180, j'ai pas rebondi. Hein. Là c'est toi en général puisqu'il a plié ça en falaise. De quoi? Oula. Allez, oh, allez quoi. Un petit soleil, allez, un petit soleil, allez, allez, allez. Non, non, je vais m'arrêter comme ça, ça sera très propre. Au milieu de la piste, allez. Au milieu de la piste. Allez, allez. Pylone, c'est attendez, regardez, je peux faire un truc drôle. Je me casse. L'avion qui continue à avancer. Là, c'est pas mal, ça. De la BG, quoi. Bon, bah, désolé, chef, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Bah, fallait pas glisser. Non, mais reste avec nous. Reste avec nous. Je me casse. Oh merde, je fais une faire écraser. Oh, c'était beau. Il y a un D17 qui a plus de moteur. Il plane encore. Ouais, mais t'aurais vu tout à l'heure le nombre qui planait, c'était énorme. Oh par contre, oh les dégâts qu'il s'est pris. Oh, il vole encore quoi. Ouais non mais c'est ça, c'est. Et on est d'accord que le mec à l'arrière, il est mort hein. Vous avez vu tous les impacts qu'il y a sur la derrière. Il y a du sang et tout, il y a du sang et tout s'il te plaît. Ouais, il s'est modifié. Ah oui, il y a du sang. Les morts des mitrailleurs. Ah ouais, parce que là on dirait pas qu'il est mort. S'il faut y avoir survécu. Bon, enfin, vu le sang qu'il y a, il y a quand même beaucoup d'hémoglobine quand même. C'est ça, il a laissé quelques litres. Ouais, il est mal en point. Allez, cette fois-ci, je me passe. C'est beau, un B17 le pilote, Maintenant, j'aimerais voir comment ça fait quand c'est nous, quand ils sont pas en mode, entre guillemets, défensif, tu sais. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de shooter. Ah, bah là, tu fais des montants. Non. S'en sort, mais il faut surtout pas rester longtemps en SS. Il faut être très très maniable. Prenez vos stats. C'est hyper dur en vrai. Je sais pas pourquoi, j'arrive plus à poser mon. Je me mets en belle vue là pour l'atterrissage. Pardon pour l'atout dans le stream, ça va pas être marrant. C'est pas grave. T'inquiète. On t'aime comme tu es, Nemo. Bon, par contre, faut que tu slalom entre les avions, on croque. Ah ouais mon pauvre là on t'a. Si tu vises le milieu de la piste c'est bon.
Oh là 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 là, ça, ça c'est. Ça c'est smooth. Oh bon. Et en plus il nous évite. C'est beau. C'est beau, hein. Non, il y a... Ouais, ça n'a rien à dire. Il y a toujours mon pilote qui pisse là sur le côté de la route. Désolé, j'avais une envie. J'avais une envie pressante. Ils vont sur elle. Ah, il y a ma verrière. Ah, je peux même pas regarder. Ah ouais, oh la vache. Ah, c'est... Attendez, je fais un après-cran. Pour le coup, j'ai regardé derrière moi là, en cherchant un terrain. Oh. Ah, parce que là, si je zoome, que je me mets en vue. Pour la postérité, oh, je vais quand même faire un après-cran avec mon bonhomme à côté de l'avion. Attends, non mais par contre, là, premier degré, je me suis mis en vue satellite, ce que j'appelle, tu sais. T'as du plan de partout, mais c'est impressionnant. Et il plane encore, hein, le B-17 là. Ça plane bien ce truc. Hein. T'as vu les ailes que ça, s'il te plaît? Ouais, c'est clair. Hein. Ouais, mais ça doit être lourd quand même, hein, en même temps. Avec toutes les balles qu'il y a dedans, ouais, sûrement. Oh la vache, ouais. L'état du truc, j'en reviens ouais. Pas dans quel état il est, quoi. Il a mangé, lui. Hein. Bon, il y a peut-être le... Ah, oula, il commence à piquer, là. Non, non, ah, c'est... Non, il reprend la vitesse, ouais. Le pilote, on est d'accord, il est dans le cockpit du haut, là. Ouais. Et ceux, au niveau du nez, là, dans la verrière du nez, ils font quoi? La tourelle. Le et le bombardier, celui qui vise pour larguer les bombes. Okay. Qui est allongé, qui normalement est allongé. Non, il est assis sur le B-17. Ah, il est assis? Ouais, t'as le petit robotin. Mais d'ailleurs, c'est l'un des deux mitrailleurs qui part en avant. D'accord. Un siège, tu peux voir un siège en... avec un petit dossier. Mmh. Ok. Ah oui, oui. Après, t'as les tourelles de défense. Là, je sais pas si le front celui-là, mais ça devrait être impressionnant le jour où ils le font. T'imagines, toi? Ah, ça doit être assez impressionnant. Oh, la tourelle, hein. La tourelle boule en dessous, faut pas avoir peur, on est pour être là-dedans. Ouais, mon dieu. Déjà, faut savoir se plier en deux, hein. Ouais. C'est important. Il est assis, le mec? Non, il est couché. Non, il est recroquevillé. Ok. Moi, c'est plus ce mec qui est à l'arrière, qui est tout derrière. Ouais, ah, celui-là, oui, par contre, lui, il doit avoir littéralement venir la mort, quoi. Oui. Ah oui, lui, oui. Lui, il va voir arriver. C'est tout petit à l'intérieur. Pour être monté dans le B-17 juste en Pink Lady, t'y rentres pas comme ça là-dedans. Ah, ça y est, il saute. Ouais, il... Non, il saute pas là. Il a sauté toutes les portes. C'était éjecté. Ouais, mais c'est au cas où, parce que regardez, il est aligné sur piste. À mon avis, il va tenter le coup. Ouais, mais après, ça sera trop tard pour sauter. Oui. Ah, putain, ah, le con, oui, t'as raison. Au sol, je pense, là. Là, faut prendre une décision. Soit il saute, soit. Soit il pose, mais. Tu penses qu'ils vont atterrir, hein? Ouais, il va se vacher, hein. Je pense qu'il va se vacher. Par contre, normalement, ils sont censés remonter la boule avant de vacher. Parce elle remonte, la boule? Oh, oui, elle remonte. Ah. Ou alors le mec, il sort, quoi. Ouais, ouais, ou le mec, il sort, ouais. Mais quand c'est descendu, la boule, tu peux pas remonter, hein. Je cherche sur la carte, je vois pas. Oh, oui. Il sort pas les trains. Osville. Ah, ça va casser. Ah oui, ça y est. Ah non, mais il a raison. En même temps, là, il y a les barrières, par contre. Ouais, wow, allez, ça c'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Mais, ah, les barrières, bon, ça va. Hey. Le mec, il a quand même sauvé le reste de son équipage, hein, quand même. Et propre pour une IA. Ouais, franchement ouais, très très propre pour une IA. Il a sauvé le reste de son équipage, quand même, le gars. Franchement, bon, ouais. Bah, on peut se refaire la même. Hein. Putain, c'est défouant, ouais. c'est un vrai bonheur. C'est clair. Ouais, mais on peut les faire tirer, mais les tirer pas trop méchants, qui savent pas trop viser, quoi. Tu vois. Malheureusement, les B-17 sont des vrais snipers, même en mode facile. Ah putain. Mince. Bon bah. Comme mais... vous voulez, après on peut quand même se le faire. Hein. Je peux mettre un B-17 armé, quoi, qui répond un peu. Oui, t'en mets un sur deux, sinon au pire. Ou un groupe, ouais, ou un groupe. Ou un par groupe, ouais. Ouais, un par groupe.
tout ça que je veux dire. Ouais. C'est quand même un bel avion. Ouais. Un 17. Et quand tu vas en caméra libre et que tu regardes les... Ah, ils sont tous partis. Ouais, je suis tué encore. Ah non, mais les pilotes à l'intérieur. Ah. Ils sont tous sortis, ils sont tous alignés devant. Non, chez moi, ils sont toujours dans la carcasse. Ah bon? Ouais. Ah non. Ouais. Non, t'as bon. Si, ils sont dans la carcasse, moi. Ben, regarde comment ils sont installés, les mecs. Surtout le mec à l'arrière. Ah, mais il voit rien. Moi, je suis dans le... Oh putain, ah oui. Je suis allé dans l'encyclopédie, tu peux zoomer jusque dans ces trous de nez au tireur. Hein. Mmh. Attends, le tireur, il est dans quoi? Ah non, ça c'est celui de la... Non. Attendez, vous parlez de quel tireur? Parce que vous parlez de celui okay. qui est... Alors moi, je parle du Tail Gunner, donc celui qui était dans la queue. Comment il est assis, c'est très bien. Ah, ok, d'accord, j'étais pas sur les bons. Alors attends, je vais regarder. C'est une selle de vélo et il met les genoux en plié derrière lui. Mais non. Mais là, je suis dans la soupe. Qui est dans la queue, là, la place du mort, là. Ouais. Bon, il est mort, hein, je confirme, par contre. J'ai du mal à voir. Ah. Non, là, je suis dans un soute à bombe. Et il n'y a qu'un seul mec qui a le droit de se déplacer dans tout le B-17, c'est le bombardier, enfin c'est le mécano. C'est lui qui arme les bombes, donc il va dans la soute justement avec toute la liste des bombes et qui les arme. Et c'est le seul qui a le droit de se déplacer dans le réseau avion. Tous les autres sont obligés de rester à leur poste, parce qu'à leur poste il y a l'oxygène et la température, le réchauffe combinaison. D'accord. Et tu peux voir juste la tourelle, enfin tourelle ventrale. Tu as une sorte de mât avec une bonbonne jaune, c'est le pneumatique permettant de remonter la tourelle. Sinon, il faut y aller avec une manivelle. Et ah ouais, je vois comment il a installé le mec. Oh, mais non, c'est une blague. Ouais, putain, ça devait pas être confort. Mais surtout qu'il tenait combien de temps comme ça, parce que les vols, ça pouvait être long, quoi. 4-5 heures. Et moi, je me plains. T'as dit, ce qui est bien, c'est qu'il a une trappe pas loin pour faire ses besoins, c'est pas mal. C'est pas faux. Ah, le pauvre gars. Non, mais en plus, on est d'accord, c'est vraiment la place du mort, quoi. Là, le mec. J'essaie de voir la salle de vélo que tu dis, si ça a été modélisé dans DCS. Mais... Ouais, elle y est. Enfin, là, moi, je suis allé regarder et ouais, il est vraiment sur une selle, quoi. Ah, oui, ouais, il est à genoux et. Oh, l'horreur. Il peut viser avec ça, sérieusement? Il peut tenter de viser. D'ailleurs, tu peux voir qu'il y a une plaque de blindage qui est mise entre le viseur et lui pour essayer de le protéger un minimum. Mais le problème, c'est que c'est pas suffisant. Bah non, clairement pas. Parce que les balles passaient justement dans la... dans la sorte de tissu qui protège les canons. Ouais. Trailleuse. Et bah, ça touchait directement le mec. Hein. Parce que ses mains étaient juste derrière. C'est ignoble, vous avez vu qu'il y a des impacts qui sont, enfin, je pense, au niveau de son gilet, enfin de sa veste en cuir là, à la base du cou, on a l'impression qu'il y a des impacts, des petits cratères. Ah, le pauvre mec, il a dégusté. C'est moche la guerre quand même. Et... Bon, allez, on s'en fait d'autres, c'est le gars. Ouais, c'est moche, mais c'est rigolo de les buter. Faut qu'on quitte le serveur pour que tu le relances. Je vais couper, ouais. Ok. Et je vais le modifier pour mettre... Bah déjà, la bonne altitude. Est-ce que vous voulez passer à munitions illimitées? Ah ouais, comme ça on passe pas. On shoot en non-stop. Après, comme ça, je pourrais abattre le tank après, à la fin. Bon, je reviens au micro. Alors, en attendant, on en profite pour prendre ça en photo. Voilà. Il manque juste une chose, vraiment, je trouve. Tu m'envoies pas de photo de ce que tu m'as envoyé tout à l'heure, toi. Les bombardiers et il manque aussi les porte-avions.
Bon, je le fais passer par nos MP, tu m'en voudras pas. Ils arrivent, Nemo. Lexas arrive avec le corsair. Ah, ils vont mettre des porte-avions avec le corsaire. Ouais, le corsaire vient avec son porte-avions et son ennemi juré, le zéro. Mais on y a. Ah. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé sur Discord? Ouais, mais du coup, rien il y aura rien d'allemand, quoi. On pourra pas poser. Alors, porte-avions allemand, malheureusement, pas encore. Zut. Con. Mais qu'est-ce que t'es con? J'en peux plus de toi. Alors, messieurs, ce quoi avec j'ai donné. Des cauchemars à Patis. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Bienvenue dans ma notion du cable management. C'est qui, bon? Wow. C'est normal qu'il y ait des câbles qui sont pas branchés? Ah non, c'est pas du branchage, hein. C'est du USB bizarroïde. Oui, enfin, ouais, franchement, il y a des trucs là-dessous, je préfère pas y penser. Déjà, il y a l'éclairage. Je suis sûr qu'il y a de la vie là-dessous. Alors, c'est pas impossible. Et c'est ton sac qu'on voit jeter sur le côté, là? Ah non, ça c'est des espèces de... des espèces de mallettes, là, pour des ordi portables. Mais bon, ça c'est plus mon père qui gère ça. Hein. Ah. Attends, je vous en fous mon sac au pire. Alors, attendez. Alors, ensuite. Mon outil de travail principal de géométrie actuelle à l'université. Là, j'ai zoomé là dans les câbles. Mais tu t'en sers pour quoi de ça? Elle a fait la guerre. Pour tracer des traits, mesurer des trucs et faire des traits perpendiculaires. Mais si. Comment tu fais des traits perpendiculaires? Il manque des bouts quand même avec ça. Alors, pour faire des traits perpendiculaires, j'ai deux techniques. Soit tu te sers des graduations qui sont perpendiculaires, soit l'espèce de bout de triangle qui ressort là au-dessus d'esquisse, il est perpendiculaire celui-là. Ah oui, non, mais actuellement c'est un bug. Et t'as pensé acheter une autre équerre? Le pire c'est que je dois avoir ça sous la main, mais je viens de chercher, et puis bon, ça fait le boulot. Bon, d'accord. Ça fait des années que j'ai pas utilisé une équerre. Après, le mec se pose des questions. Pourquoi pendant 5 heures il est sur un logiciel pour faire un engrenage? C'est sûr que si tu prends tes trucs avec ça. Non, mais on va pas faire des trucs trop faciles non plus. Faut pas aller quand même. Mon dieu, mais ces câbles. Hein. Putain, mais c'est quoi tous ces câbles? Attends, mais c'est une multiprise sur une autre multiprise? T'as deux multiprises branchées l'une à l'autre? Non, même pas. Non, non, ça a l'air d'être une méga multiprise. Non, c'est une méga multiprise. Et par contre, t'as combien de trucs branchés dessus? Sérieux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, dans l'ordre. Attends, alors déjà, il y a deux écrans, le PC, la ligne de mon casque, un autre truc, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi le sac à dos que tu m'as envoyé? Et il y a un USB-A dessus, mais je sais pas ce que c'est. Oh la vache! Oh la gueule des pantoufles! Quoi? Ils sont bien mes chaussons. Attendez, je vous envoie ça. Ah, la gueule des pantoufles. Chats, des lapins. Bon, vous savez quoi? Vous me cassez. Allez hop. Va-t'y suivre. C'est des pantoufles ça? Mon dieu, quelle horreur. Écoute, hop. Mais c'est qui t'a payé pour les porter? Parce que tu dois gagner du pognon là pour porter ça. Allez, hop, c'est bon, hop. Attendez, allez hop. Un cadeau. Oh l'enculé! Allez hop! Ça part! Mais il y a des trous de mine dedans! S'il te plaît! J'en peux plus de ce mec là! Ah, ça va bien avec les plaques, ça c'est sûr! Oh putain, mon dieu! C'est le câble qui passe par-dessus! T'as bien fait de faire flou! T'as bien fait de faire flou à l'arrière parce que je veux pas savoir ce que c'est qu'il y avait au fond là-bas. Ah oh, putain. Merde. J'en peux plus de ce mec là. Oui, merde, c'est vrai que mon téléphone est relié à un live support. Bah t'en bouges pas. Ah mais là de toute façon j'ai plus envie de bouger là. Qui suis-je
pour te refuser un tel privilège. Oh putain. J'ai relancé le serveur. Yeah. Merci, merci Croc. Croc, tu t'as sauvé une partie de la France en faisant ça. Ah bah oui, on empêche les bombardiers d'attaquer la France, donc c'est bon. Mmh. Exactement. Comme on dit certaines personnes aujourd'hui, vous avez sauvé l'humanité. Quoique, je vais peut-être requitter parce que je vais vérifier quand même pour les mortiers, ça m'inquiète cette histoire. Pareil. C'est un pouf. Ouais, c'est un pouf. Mais c'est pas, pouf. C'est pas le pouf qui me dérange, non mais... T'as con, une cave encore. Non mais c'est, moi c'est pas ça, c'est une chose, c'est t'as une télé ou un écran, c'est pas trop ce que c'est, de ah, marque Samsung. Il y en a deux, c'est un autre écran aussi qu'il y a devant. Oh putain. Alors, encore moi ça va, par rapport à mon meilleur pote qui m'envoie ça, moi je fais petit jeu. Mais je m'envoie jamais des photos de ton pote. Jamais. Je dois lui envoyer un message. Non, non, fais attention. De toute façon, ouais, tu fais ça. Chance, quand t'as une tranche, je vais pas te déranger. Oui, non, de toute façon, t'aurais fait ça. Clairement, il y avait ta tête en attente de stream pendant une semaine. Ouais, avec un lien direct pour ton ton truc Discord. Oh mon dieu. Attends, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas une photo de ce que je pense sous la main là tout de suite? Ça dépend, tu penses à quoi? T'inquiète. Je me fous de ta gueule pour le cam management. Bon, c'est plus propre. Pas non plus parfait, tu vois. Alors, est-ce que j'ai ça sous la main quelque part? En tout cas, je note quand même qu'il y a deux écrans sur le côté. Ouais. Et un PC portable sur le canapé. Oui, c'est... Alors, il pense à ça, c'est un Omen. Ok, ça va avancer, c'est bon. Justement, quand je joue à des CS avec vous pendant que je suis en vacances, c'est là-dessus que je joue. Ah, il est assez puissant. Ouais, il est assez puissant. Dessus, ouais, j'ai un i7-8700. Bon, il tourne en 2.7-2.9 GHz, je crois. Fréquence de travail. Et 16 Go de RAM. Donc pour du CS, en vrai, ça fait le taf. Alors, I am a cockpit. J'arrive. Tu es un cockpit? Oh. Oui, oui, alors moi, speak English, non, ok. Ça fait penser à ce certain président qui avait dit aux Allemands, ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Et en vrai, non mais en vrai, tous les Allemands ont compris. Ça lui a fait rire. Il faudrait pas prendre les Allemands pour des cons. Par contre, ce qui est drôle, ceux que tu peux prendre pour des cons, c'est les mecs qui ont relis le discours, parce que c'est quand même censé des mecs qui connaissent un peu le truc. Ils ont pas vu que je veux venir. Ça. Alors. Coup, moi, ça je me suis pas vite. Ça me laisse avec une question existentielle. Mm-hmm. Est-ce que c'est bon les Berliners? J'ai mis manger. C'est pour ça que je pose la question. Moi. Alors, non, j'ai habité Berlin. Mais... C'est des petits gâteaux secs, c'est pas dégueulasse. Oh. Faut aimer les gâteaux secs. C'est ça. J'ai pas remis les skins PS9, tant pis. Oh. Bon, bah. Ready? Ready. Ready. Ding 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 ding. Ah merde, j'ai que des Russes. J'ai que des Russes. Taillou. Wow, la manette des gaz est un peu capricieuse, on va y arriver. Alors, on disait. Hop. Le réglage bowling. Ah, tiens, c'est marrant, j'avais des gens à ma droite et à ma gauche, j'ai plus personne assis. Distance cible à peu près 900 mètres. C'est Croc qui a tiré un verre. Non, c'est les Patis. Patis, ok, ça c'est Patis. Bon, je peux te mettre un rouge si tu veux. Je vais jouer avec les stimuliques. Oh. Oh la belle rouge. Bon, ils sont où les copains là, les... Je vais faire tenter le mortier, moi. Bon,
ça. Bon, change un truc. Quelqu'un les voit, nos amis droit devant nous, à midi, pile, pas en haut. Ah, c'est comme t'as l'air. Ah non, devant nous, pile. Ah, ok, je cherche haut, moi. Petit test à la roquette pour vérifier la distance. Moi, j'ai pas de visibilité, de visi. De pas. Visuel, quoi. Putain, moi, je les vois pas non plus. T'es sûr que tu les as mis, Croc, hein? De quoi, les étiquettes? Non, non, les... les B17. Oui, ils sont en train de leur tirer dessus. Oh, t'inquiète, globalement, ça va commencer à cramer d'ici pas longtemps. À mon avis, on est trop haut, Patis. Je vois des avions alliés. Ouais, je les vois, ils sont en bas, ouais, ouais. Ouais. Là, il est visuel. Ouais. Je les vois. Je vais toujours attaquer le groupe de gauche. Allez, mon petit moteur, c'est pas le moment de me lâcher. Ah, mais fuck, mais. Il arrive pas sans face, tes enfoirés. Ah, ouais, ça tire là. Je vois des traçantes. Je vais me faire laver la gueule. Non. Oh, si, ça va être génial. Tirer sur le. Et fouah, je les ai mis à côté. Ah, le dernier, je l'ai touché. Oh, rideau. J'y vais. Okay, je suis sur le groupe de gauche. Le groupe en haut. J'ai marqué. J'en ai marqué 3 moi en passage. En un passage? Ouais. Non mais vous êtes des grands malades. Ça c'est dégueulasse. Moi j'étais fier, tu vois, de moi. Ouais, mais après ça veut pas dire que j'ai les kills. Hein. Il est en feu celui-là. Ah, j'ai mon top bobor qui est en train de faire du breakdance, c'est génial. Il y a quoi? C'est ça. Sur le dos celui-là. Ça tremble, mais tous mes paramètres moteur sont normaux. Je vais me faire celui qui tire. C'est juste 3 balles qui ont déséquilibré le bordel. Par contre. Ah, mais on a munitions limitées, ouais. En plus, je suis con. Le tireur est HS. Il y en a, il l'a massacré là.
Il est bon. On en a combien là? Parce qu'il doit plus en rester des masses. Hein. Oh fuck. Oula. Je vois un truc qui a explosé, c'était quoi? C'est moi. Oh merde. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, il y a peut-être un petit match de boxe. Ah, B17 a gagné? Je crois. Après, j'ai eu mal. Hein. Attends. J'ai pas vu ça, ça. Ah, quand même. On a déjà un autre calme. Il y en a, je lui mets une fuite de carburant, mon coco, contourne-moi. Oh, il est en train de plonger vers le sol. Ni pour lui. J'en vois plus là. Il en reste un devant moi là. Qui est marqué ou pas? Non. Moi j'en vois un marqué qui est en train. Qui a rompu le combat, j'ai l'impression. Fume bien blanc. Fume bien blanc. Je vois plus personne. Je suis où par rapport à lui. Ah, il y en a derrière nous en fait encore. En état de voler, j'en vois plus. Hein. Il n'y en a plus, ouais. Ouais, j'en ai fait 5 quand même, je suis assez content. Et c'est Nemo. Ah non, c'est le temps qui remporte la palme avec 7. Merci. Y'a un allié qui fume là ou pas? Je crois que j'ai même pas pris une bastos. Moi j'ai pris une bastos mais je pense pas que je fume. Non, c'était un B17. J'ai pris une forteresse volante, ça compte. Ça peut compter comme une balle, hein. Fais gaffe. Hein. On va vite devenir des as à ce rythme-là. Normalement, c'est 5 victoires, tu deviens un as. Hey! Et du coup, moi, je suis un as. À titre de costume. Et n'empêche qu'ils n'ont pas atteint la Terre. Hein. On a été efficaces. Hein. Ouais. Il y en a un qui c'est a quand même amélioré. Il en reste là. Où ça? Je sais pas, mais j'en vois un qui a 14 000 pieds sur la carte. Il a plus de moteur. Ah. Et là, entre nous, il y en a encore, non? Oh là, oh là. Ils sont en train de s'écraser. On a droit de mettre des coups d'hélice aux parachutistes ou pas? Tu veux pas que ton hélice et ta mort, oui, ils sont en plomb. Par contre, tu tirer dessus, ça passe à travers. Hein. Tu rigoles quand tu dis ça, sûrement. Ouais. Non. Ça a été testé justement. Il y a des gens qui ont pu tester, voir si ça est vivant ou pas. Là, il y a une piste juste en bord de mer. Je vais peut-être aller vers ce terrain-là. Il y en a je suis un con, j'essaye, moi, tu sais. Qui est vraiment parallèle à c'est où? Attends, bah non, il s'est foutu de ma gueule. J'ai eu peur. Bah j'ai peur que ça me défonce l'avion. Mais... Ok, je te vois Nemo, j'arrive.
dans IL-2 survie, on pouvait abattre les pilotes. Et si tu les prenais dans l'avion, tu explosais. Bon, du coup, vous partez vers où, les copains? Ok, vous êtes par là. Le nombre de parachutes que j'ai descendu à grand 30, c'est illégal. Ah, est-ce que t'as une altitude à me conseiller, je crois, qu'en finale? Normalement, c'est... Enfin, finale, tu descends, donc il n'y a pas d'altitude. Mais pour commencer, il faut avoir une pente de 5 degrés. Ok. Je peux commander R400. Je pense que je fais ma ressource trop tôt, j'imagine que j'arrondis trop tôt. Mais... Bah, du moment que tu fais pas comme moi et que tu poses pas un DR sur le B10. Sur le B10, voilà. Alors, le premier atterrissage que j'ai fait après une longue pluie, après la longue pluie qui n'avait pas volé, j'ai commencé à arrondir 1000 fois trop tôt parce que j'étais encore paramétré avec la hauteur sous-train du A10. C'est sympa ça. Bon, disons qu'il n'y a pas la même hauteur. Moi je suis en vent arrière pour la piste nord-sud. En fait, en 8, c'est simple de faire en train Je pense que je parlerai pas assez vite ma vitesse. Pour pouvoir poser dessus. Ah, quoi que. Ce que je peux faire, c'est passer en crabe pour perdre la vitesse. Il faut faire du temps en aérofrein. C'est vrai que je peux faire ça. Je sais chez les planeurs, ils ont ça. On va pas mal faire ça, ça sera un peu court. On va les zéro frein, nous. Ah oui, c'est vrai. On trie. J'avais jamais trouvé ça. En plus, je suis pour le planeur que j'avais volé, il y avait des AF. Les vieux planeurs, justement, ils faisaient avec une trappe parce qu'on peut pas sortir les zéro frein n'importe quand. Aujourd'hui, on peut sortir là jusqu'à Venn. Ok, je me mets en méthode de base. Je me mets plutôt pour Merlin, pour former le tram de Patrice. Pourquoi t'es méchant avec moi comme ça? Parce que je te prends bien, moi. Mais moi je suis pas méchant, je suis taquin. C'est ma femme qui est méchante, c'est pas moi. J'avoue. Moi je suis tout mignon, je suis tout gentil. Par contre, ça commence à se voir. Ils se ressemblent, ça semble en même temps, non? C'est pas faux. Allez, je tente un dogfight contre Croc, soyons fous. Je rigole, chef. Non, mais tu peux, hein, ça durera pas longtemps, c'est l'avantage. Putain, si, que ça. Ah, théoriquement, il y aurait une chose à gagner. J'ai des trucs dans l'aile, je suis avec un D9. C'est faisable, hein? Ok, je prends ça comme un oui. Allez, bien. Je prends ça comme un peut-être. Je prends ça comme un adieu. J'aurais dû regarder ça du coup, du Patrice. Je vais vous laisser ça planter, moi. Aïe, ouais, c'est fini. Passer. C'est fini. Adieu. Adieu, mon cruel. À quoi que. L'enfoiré, c'est quoi ça? Putain, le salaud. What? Il m'a fait quoi là? Voilà pourquoi je peux jamais provoquer le chef en dehors de ce jeu. Est-ce qu'il te sort des trucs? Ah, mais t'es déjà mort? Sérieux? Non, je suis pas mort encore, mais ça va pas tarder. Mais je vais sortir d'un espèce de. Alors, les gars, chez moi, ouais, c'est un Skull 30 qui peut faire ça. Pas un des neuf. Ah, tu vas pas me dire que je t'ai pas touché là? Non, tu vas pas lui dire ou non, il t'a pas touché. Oh, il vient de toucher. Oh, oui. Oh,
Alors attends, on va attendre un peu parce que attends. ce clip-là, il est important. Touché coulé ou... Non, pas touché coulé. Pas coulé, mais fort endommagé. Là, je peux plus combattre. Ah mais t'avais déjà pris des jetons là. Oui. Oh. Ah t'es saccagé là. Et lui il est en super état. Ouais. Ouais. Je le perds très facilement de vue parce que j'ai des trous partout dans la derrière. Forcément. Ça a pas dû aider. Après il croit qu'il faut des excuses à la défaite, c'est pas grave. Hein. Oh putain j'aurais pas dû dire ça, Ouais parce que là il va prendre un VF 109 sous 9. Ah bah c'est fini. Moi j'atterris parce que j'ai plus d'essence en fait. Plus d'essence. Plus d'essence. Chut. Ah putain ils font sonner les sirènes à cause de la tempête, c'est que ça va souffler fort. Hein. Ah nous chez nous ça souffle aussi pas mal ouais. Tu vas essayer d'atterrir là, Croc ? Il dénonce 80 chez nous. Ah non. Ah mais je croyais qu'il s'était éjecté, moi j'ai même pas suivi. Non, il était toujours dans T6. Oh ! Ah il aurait pu me démonter comme il voulait. Ah bah là oui. Ouais mais quand je vois un avion en train sorti, je lui suis battu. Ah mais moi en fait pour moi tu t'étais éjecté alors. Ah là moi. Je suis hors combat mais je peux encore aller me poser. Ouh t'es bas. Ouh les arbres. Oula mais tu voles en crabe là. Je sais pas où il veut se poser mais... Ouais, je sais pas non plus. Ouh, aïe. Ça stall. Ah, il va directement refueler. Ah, pas cassé. Oh, aïe. J'aurais dû fermer ma gueule. Mon père disait toujours, des fois vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con plutôt que l'ouvrir et plus laisser aucun doute à ce sujet. c'est pas mal ça. J'ai demandé les réparations. C'est bon, il répare. Il y a un monde où ça se voit pas. J'ai demandé les réparations. Échappe, sélectionné un rôle. Pourquoi je peux plus zoomer avec la molette et la souris dans le vue externe? T'as bloqué les vues externes, hein, Croc? Non, tu débarques chez les mécanos et avec un avion en moitié arraché, tu dis bon, les gars, je veux qu'il soit complètement réparé à neuf. Vous avez 20 minutes jusqu'à hier. Il y a moyen de débloquer les vues externes? Il y a un raccourci clavier? Je sais même pas comment les verrouiller, je dois voir. Autorisé, tu vas réussir à atterrir là, Croc? Oui, tu consens que t'as plus de dérive arrière, enfin, t'as plus de couverture de profondeur. Non? Il y a un petit morceau. Oui? Et ils étaient quand même assez résilients ces avions. Mais pourquoi je peux pas tourner en vue externe? C'est la merde! T'as dû plus. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé du temps? Il y a tout qui est magique dans cette photo que tu m'as envoyé. Absolument tout. Oh joli. Un petit rebond. Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Attendez. J'envoie sa portesse. Déjà, rien que le Rubik's Cube qui est pas fini, ça m'énerve. Ah ouais, non, ça c'est pas possible. Non, mais le pire, c'est qu'il y a une face qui est... Il y a les deux premières lignes qui sont terminées, mais la dernière, non, il l'a pas fait. Ah, en plus, c'est un 6 faces. Ah ouais, non, là, c'est pas possible. Ah, c'est interdit par la loi, ça. Ouais, clair. Non, par contre, on peut saluer la présence du Mirage 2000. Non. Pourquoi ça marche pas les vues externes? C'est pénible. Je sais pas, moi ça marche.
Moi, j'ai quitté le serveur, je relance parce que ça avait pas l'air de vouloir marcher. Eh ben, c'était bien cool en tout cas, franchement. Ouais, mais j'ai le clip où j'ai buté Croc. Ça. Enfin, où j'ai touché Croc. Pas buté parce que du coup, il est pas mort. Je suis posé là. Ouais, non, mais dans le hangar. Attends, mais comment t'as pu rattraper ton avion vu comment il est parti? Parce que je sais exactement comment il réagit en fonction de ses décrochages. Moi j'ai tout lâché, pour moi c'était la fête, on avait gagné la Coupe du Monde. Ouais. Faut jamais s'avouer vaincu. C'est comme ça ou qu'on vainqueur. Les expertaines dans la Luftwaffe. Ceux qui tu dis ah ça y est, c'est mort. Ah bah non. Le pire c'est que je regarde, oh. Je vois l'avion tomber. Je dis bah c'est bon, il est irrattrapable le bordel. Si. Ah ouais ben non, c'est juste. Quand tu vois l'étendue de juste... son avion. Mais du coup je pouvais pas voir moi. Ah ouais, oh, t'as pris tellement cher. Bah, la dérive arrière, c'est moi, ça je sais. Regarde, l'aile gauche, il y a un gros trou, au moins d'un ballon de football, je pense. Ah bon, j'ai pas de trou sur l'aile gauche. Je sais même pas comment t'es pas mort, comment ton pilote a survécu. Une balle sur le côté. Ah, quoi que non, ça a traversé sûrement. Il a cligné les yeux, mon pilote, un moment. Ah putain, ouais, il a dû... C'est qui quand on vole, qui fait des whoopings? C'est le temps qu'on commence. Négatif, j'ai pas ça en la fin. Moi je suis posé. Merci. Oh putain, mais merde, c'est mon avion. Mais oui, je suis convenu sur ça, je suis con. Mais par contre, la queue de ton avion elle ressemble plus à rien quoi. Franchement, vous êtes les meilleurs antidépresseurs possibles. Mais tant mieux, écoute. J'entends de l'être. Ça sert à ça. Les B17 ils planent toujours. Hein. Ah, y'en a plus qu'un qui plane. Ouais, y'en a plus qu'un. Il en reste un. Ouais. Putain, vas-y, Croc, reprends un 109, j'ai envie de faire un dogfight. J'ai envie de me faire humilier un peu. J'ai envie de me faire humilier. Et on se met à deux contre lui. Oh, il y aura pas besoin. Il va me fusiller la gueule. Mais j'ai envie de me faire humilier un peu. J'ai envie qu'on me fasse fermer ma gueule. Et moi, je veux bien, mais en spectateur. Et par contre, vous avez vu, même mec à l'arrière, même mort. Je sens partout. Ah bah c'est les premiers qui prennent. Un avantage. Et pourquoi il veut pas prendre mon avion? On fait ça propre, hein. Si je gagne, je vais gagner dignement du coup, donc merde j'ai tout et tout. Et si je perds, c'est quand je perdrai avec honneur moi. C'est ça. Parce que là je peux pas dire que j'ai une victoire contre toi, t'étais déjà abîmé. Enfin... J'avoue que moi sans les étiquettes avec ma mauvaise vue, j'y arrive pas. Mais j'ai pas les étiquettes. T'es trop petit, je vois rien. Je suis en train de partir vers la Boulder Point. Ok, je suis là. Elle tente prêt à regarder ma mort? Avec le plus grand plaisir. Mmh. Oula. Je me mets en mode stream parce que comme ça moi je pourrais enregistrer le clip dès le début. Et je pourrais surtout pouvoir regarder la carte. J'essaie de le faire sans la carte. Tu me dis qu'on fait demi-tour et que je décède après du coup. Pas de merde. Ben on peut y aller. Oh, attends. Juste regarder pour le cap parce que je t'avoue que je suis pas encore bien habitué. Autant les caps en onde moderne, ça j'y arrive. Mais... Allez. Pourquoi je viens faire du dogfight? Je suis une dobe en dogfight. Oh putain. Crois que t'es pas trop méchant, tu vas plus rapidement qu'avec Ascend. Tu le fais pas durer le plaisir. T'as moyen de me défoncer. C'est pas celui-là. Ouais, non, mais je te voyais. Je t'avais... Moi, je te vois pas encore. C'est que tu me têtes, mais tu vois pas. Je t'ai balancé une flare aussi. Encore une. Hop là. Je suis. Putain, je te vois plus. Par contre, si ça y est. On va se croiser, je suis sur ta gauche. Ouais, tu tournes droit vers moi. Je suis devant toi, tu peux pas me louper.
Là, je te vois pas non plus. Ah si, là. C'était toi à gauche. Allez, hop. Merde. Là, il meurt. Ok, j'ai déjà perdu le chef, super, ça sent la merde pour moi. Oh ta merde. Oh, tu décroches là. Mais il est où? Il est dans tes 6. Ah d'accord. Généralement, tu te poses la question. Ouais, c'est clair. Je l'entends chanter. Coucou. Je suis là. Je me suis gouré de palonnier. Bon, c'est pas tout ça, mais comment je vais finir la troisième couronne? Oh, oh. Putain, presque. La croque, il s'y attendait pas, celle-là. J'aurais dû fermer ma gueule, j'aurais dû fermer ma gueule. Il est où? Je vais regarder ça en live. Je peux gagner. Je peux gagner. J'y crois absolument pas, mais... Attends, mon altitude. Il est assez vache pour me faire cracher dans l'eau. C'est 109 en 109. Aïe. Non, je l'ai paumé. Ouh, ça va piquer. Ouh, ça va piquer. Ça y est. Touché. Il m'a retrouvé. Ah, je suis bien. Et j'aurais tenu plus de 5 minutes, les gars. C'est plus longtemps que sur un... Aïe. Elle était belle, celle-là. Ouf. C'est plus longtemps que sur un taureau, les gars. Pendant un rodéo, hein. Je tiens à préciser. Mon con, mais il est où? A mon avis, je vais voir l'eau de près dans pas longtemps. Ah, t'as 2600 pieds encore. Ah, ouais, attends. T'as pas un crocodile malade qui te... Ouais. Entre... Mais pourquoi je suis allé ouvrir ma gueule? Et puis il y a le temps qui doit jubiler à regarder ça en plus. Ouh, c'est pas passé loin. Eh, je me défends pas si mal, hein. Faut passer loin non plus, ça de la vie. Aïe, y'a l'eau. Ouh, là c'est bon, il y a la fuite d'eau là, t'es mort, t'as plus de radiateur. Eh, c'est foutu. Oh, je suis vivant encore. Oh la vache, j'ai encore pris une bastos. Fais gaffe, si tu décroches là, tu reprends pas. Putain, mais tu crois que j'avais pas activé le... Ah non, mais j'ai plus de canon. Ah non, mais... Là, t'as une fuite d'eau, à mon avis. Ah, mais tu crois que j'avais pas mis la... Ton moteur, mais il a pas tardé. Pourquoi j'ai pas d'armement? Parce que je viens de te les enrayer. D'accord. Permet. Connard. Je t'en prie, avec grand plaisir. Ah bon, ben. Ah bon, bah ça tape l'eau là. Ok, oh, donc de bord d'attaque est sorti. Non, ah non, ça tape pas l'eau encore. Ah si, ça éjecte. Et plouf. Ouais, ça a dû faire mal. Mais j'ai tenu beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Hein. Alors, je vais pas dire que je t'ai donné du fil à retordre, mais il y a eu 2-3 moves où j'ai failli passer derrière toi. Beaucoup de mouvements, tu as été assez chiant parce que tu es passé au niveau de la casquette. Donc, tu aurais fait des contre-breaks à ce niveau-là, je t'aurais perdu. Vas-y, Nemo, si tu veux, tu vas voir, c'est rigolo. Ah non, mais moi, enfin, je vois rien, mais je peux essayer, hein, mais vraiment, je vois rien, donc... Bah, une fois que t'es au merde, ça va. Je vois à peu près. Bref, moi, je suis pas sûr.
je vois très mal. Je réduis ma difficulté. Oh, t'inquiète. Pas de soucis. Hop. Alors, voilà. Il va falloir voir quelque chose. Je suis devant toi. T'es devant moi. Même altitude ou... Normalement, oui. À 5000 mètres, 5500, 5600. Il est à ta gauche. À ta gauche, un peu au-dessus. Légèrement au-dessus. Il est dans un nuage, il lance des flares. Elle gauche, il est légèrement au-dessus de toi. Il balance des flares, tu peux pas dire. Il était contrasté avec un nuage. Ouais, je vois. J'ai toujours tenu plus longtemps que la Sainte, ça c'est bon. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ah, il est mort. Je me dis qu'en super visuel, comme ça je te vois, je te dirai une petite direction. Ah ouais, merde. Ton décimètre là il peut servir autant que si là. Si ça peut te rassurer, il est 26. Ah bah, je suis à la numéro 1, je sais pas où il est mis. Par exemple, on est. Je vois. Ouais, je te vois. C'est pas mal, je suis aussi. Là il est vraiment dans T6. Putain l'enfoiré il tire des flares, en plus il tire des fusées. Ah non mais je vois mais... Ouais c'est bon. Ah tu perds du killer, je sais pas ce que c'est. Ah tu perds un volet aussi. Ah je suis sur le 2, je peux pas m'en laisser. Ah t'as plat. Ouais c'est bien. Ah mais j'ai le manche est talonné tout à fond à droite. Je sais pas ce que c'est que tu perds, je pense que c'est du carburant ou... Une blanche comme ça, ça peut être quoi par là? C'est une blanche, une c'est fini pour toi, mais t'es en blanc. Est-ce que j'ai un jeu? Moi par contre j'ai réussi à pas le perdre, ça c'est cool. Ouais mais je peux pas redresser. J'ai vraiment du mal à redresser. Et je suis en train de mettre ça. Je pense qu'il va t'achever de toute façon. Donc plus tard il te tourne autour. Par compassion et gentillesse. Je vais tenter un amérissage. Ou il va te couper en deux avec son canon de 30, au choix. De partout. Ratatatatata. Ah bah là, ouais. Putain. Ah là c'est cadeau.
tenter l'amérissage. Je sais pas si GCS le permet en vrai. Oui, le permet. Ah oui ? Paraît-il que t'as une chance sur deux, hein, quand même. Enfin, l'amérissage. Ouais, mais ça reste 50% de chance. Allez, Nemo, fais honneur au noob que nous sommes. Et au pire, tu retourneras ton élément. En tant que. Avec ton Nautilus. Ouais, c'est clair. L'autre, il tire des fusées éclairantes depuis tout à l'heure. Oh, headshot. T'as shooté avec une fusée. Putain. Oh, dur. Allez, on se concentre. Tu vas vite là, non? Ah bah, je fais ce que je peux. Oh non! Eh, hey, t'es pas crashé! On entend bien, on est saoulé, mais. C'est balèze. En soi, ça va. Ah, lui, il a éjecté sa verrière. Ouais. Il va amérir aussi. Surtout la verrière avant de mérir. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, tu sors des volets à balles, quoi. Ouais. On va être en dessous de 200 km/h pour amérir. Ah, il y a le temps qui joue du coup. Non? Ah, ta mairie. Et tu sors les volets quand même pour l'amérissage? Ouais, complet. T'as pas peur que. Enfin, moi je me suis dit l'eau à l'impact et pouf, ça fait. Ouais. C'est le temps qui est dans les airs? Je reprends un BF-109. C'est pas dans ce sens un avion normalement. Ouais. Oh, c'est beau. Autorotation. Ah, oh, tu vas-y. Je vais encore l'attitude. Allez, on est. Ça vient. Tout le monde en train de tourner, si tu veux. Ah, ouais. Ouais. Ça change. Un conseil, manche en avant, pas l'ognation sans contrôle. Pas de gaz. Ah, voile noir. Un peu trop tiré sur le manche. Hop là. Contrôle au roulis. Et tu tires maintenant doucement sur le manche. Ça dure combien de temps de voile noir? Bah, ça dépend du pilote. Ça dépend si ça tue ton pilote ou pas. Ça peut faire 3-4 coups avant. Hop là. J'ai fait plouf. Ah, il fallait pas que ça dure plus longtemps ta chute là. Ouais. Oh, si. Boss. Il a disparu. Ouais. Bon, 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 bon. Oups. Alors pour info, si tu veux t'en débarrasser, dans le cockpit du D9, t'as deux switches, un pour activer et l'autre pour éjecter. Ah oui. Hop, cadeau. Et voilà. Et là, t'as plus rien. T'es libre des ailes. Yeah. Ah, il faut une granate. Par contre, du coup, vous pétez un jour ou. Non, mec, j'ai mis le détonateur à 5 secondes. Ah ouais. Ah. Se douille. Marrant, en faisant F6, vous avez des bombes dans l'eau. Des bombes noires, mais sûrement. Nyon. Ah, moi, je les ai pas, donc elles sont considérées comme détruites. Ah, ok. Moi, j'ai plein de bombes dans l'eau. Énormément de petites bombes. De bombes nettes. Ah, ouais, tiens, est-ce que j'ai le nom? ANM64. B17.
Ok. Bon, maintenant qu'on a fait du séchoir avec nos appareils, prochaine étape, du Gabo ou du RAL de Rocco? Ouais, le Gabo, c'est du bombardement, c'est ça? Chasseur mordier, ouais. Ah, je suis tellement mauvais à ça. C'était quand la dernière fois que j'ai fait ça avec la BJ? Je crois qu'on avait déjà fait une session, mais c'était il y a longtemps. Parce que j'ai des mini-jeux qui s'appellent le décapsuleur de char. Munitions illimitées, c'est les SC50 pour le D9, ou SC250 pour le BS109, parce qu'on n'a pas le choix. Et minuteur super 1. Les chars sont inactifs et en fait, c'est une course. Il faut décapsuler le maximum de chars sur ton parcours et arriver le premier. Oh. Ça peut être rigolo. Ah ouais, je suis là. Je sens que mes petites vont être malades dans les prochains jours, ça va être un peu chiant. Elles parlent, tu sais, quand elles étaient plus en jeune, elles commencent à parler avec la gorge. Elle parle un peu comme ça là. Elle dit, ça sent pas bon. La grande, elle a pas mangé à midi, à la cantine, elle a pas mangé son goûter. Et on a forcé à manger un peu ce soir, mais elle arrive pas à manger tellement elle a mal à la gorge. Quand elle déglutit. Ah, je connais ça. Je me dis, putain, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon. Ça sent l'angine, du coup ma femme est inquiète parce que elle est très 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 sujette aux angines. Donc elle se dit que si les petites elles commencent à avoir l'angine, c'est sûr, elle va y passer. Et en plus, t'as le petit. Et il y a le petit. Bon, après le petit, en vrai, avec les défenses immunitaires maternelles, en vrai, c'est costaud normalement. Non, mais en plus, elle allait être, elle fait de l'allaitement au sein, donc généralement, c'est ce qui est le plus recommandé aussi pour la défense immunitaire du petit. Après, bon, ça reste un nourrisson, faut quand même faire gaffe. Non, mais en plus, c'est la galère, hein, parce que Doliprane enfant nourrisson, là, liquide, ça n'existe plus, hein, c'est en rupture depuis des semaines. Donc en vrai, t'as ton gamin qui a de la fièvre ou qu'un truc, t'as pas de Doliprane. Et le nourrisson, il n'y a que ça qui marche, enfin qui a une AMM sur le nourrisson. D'accord. Voilà, donc ça va être bien. Je crois qu'il y a une formule sachet qui existe, mais on va faire boire ça à un nourrisson, quoi. Enfin... Ouais, faut le touiller. Ouais, faut le touiller, et puis c'est super dur en fait, les nourrissons, faut vraiment faire gaffe. Parce que normalement, je sais plus où est le ciel ou le sol. C'est des trucs un peu épais parce qu'ils font très 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 vite des fausses routes. Et ça peut être mortel, hein. C'est le nourrisson, la fausse route, ça va vite. Hein. C'est tout petit le corps. Ah ouais, c'est ça. Mais même chez l'adulte, je suis sûr. Ouais, mais chez l'adulte, t'as quand même des systèmes nerveux, enfin avec des expectorations, trucs comme ça, qui sont plus aboutis. Ouais, que chez le nourrisson. On a la fille d'une amie à ma belle-mère, 17 ans. Elle est décédée en mangeant un yaourt, elle a fait fausse route. Ah ouais? Sérieux? Mais elle est pas molle sur le coup, non? Elle a fait un truc derrière. Ah si, si. Non, c'est tout fait impossible de la respirer et la réunir. Même mais ça, j'y croyais pas. Mais moi, c'était ma belle-sœur qui disait que dans l'école de son gamin, il avait 3 ans, un gamin de 3 ans qui s'est tué avec une knack. Ouais, la knack en vrai. En fait, elle dit qu'elle comprenait pas que c'était touché pas, ou pas, c'est... Oui. Pas plus dit parce qu'en fait, tous les médecins savent que la knack ça tue des gamins chaque année. C'est hyper spongieux. Et en fait, quand ça se coince, bah, tu peux pas le décoincer. Ouais, ça gonfle et. Putain, depuis ce jour-là, j'ai toujours. En fait, elle dit il y a un truc simple pour éviter ça. Et que tu coupes la knack dans le sens de la longueur en fait. Et là, il n'y a plus de problème. Ça se vend pas les knacks, il n'y a que les knacky. Et en vrai, ma petite Obeline, elle a failli s'étouffer avec du saucisson. Ouais. Et pourtant, c'était un petit bout. On n'avait pas fait gaffe, elle en avait mis beaucoup des petits bouts. Et là, elle tousse, elle a les lèvres qui deviennent bleues. On fait, oh putain. On ouvre la bouche, on essaie de choper
elle crache du sang, on fait oh putain. Et là j'ai commencé à la prendre par les pieds et à la secouer par les pieds. Putain, l'enculé m'a amené vers l'eau. Bim, allez hop. Ah non, mais il s'est éjecté, pourquoi tu t'es éjecté? Pas récupérable. Ah ouais? Ouais, là il est parti en vrille. Ouais, c'est un kill confirmé. Ouais. Et en vrai, ouais, c'est passé. Au bout d'un moment, c'est passé, mais on a eu la peur de notre vie. Allez, tu m'étonnes. Et à 17 ans, j'imagine même pas, parce que tu penses qu'à ces âges-là, t'as plus ce genre de problème, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est... Techniquement, t'as des réflexes à tout ça qui font que ça peut pas vraiment arriver, mais si, en fait. Et pourtant, pour avoir sondé, mis des sondes trachéales sur des dizaines d'animaux, je peux te dire que c'est la galère. Parce que le corps, il veut pas, hein, que tu mettes un truc dans la trachée comme ça. Mais le liquide, c'est plus pernicieux. Ça se ferait un chemin plus facilement. Ouais, et puis surtout que des fois, ça tue pas sur le coup, en fait. Même sur les animaux, ça arrive. Ça crée après des espèces d'infections. Wow. C'était joli après, mais pourquoi il a pas voulu. Allez hop, je quitte le serveur pour le mini-jeu. Bon, les amis, je pense que je vais aller me coucher. Ouais, pareil, je vais leur passer. Je suis un peu claqué là. C'est pas encore demain, moi. Mais... Bonne nuit à vous alors. Ça ira sûrement mieux demain. Mais là, les journées sont pas fragmentées. Mais t'as plus les gars, misez-vous bien. Tchadamou, bonne soirée. Et puis à demain dans la journée, peut-être Croc si t'es là. Avec plaisir. Et puis toi aussi, Patis. Ouais, ouais moi demain, ouais, si, peut-être. On va pouvoir me pointer bah, pour 10h30 à peu près, je pense, dans ces eaux-là. Ah bah c'est là où moi je fais une pause généralement, chez les enfants. Et mardi, c'est quoi la mission? J'ai même pas regardé. Samedi? Je sais pas. Samedi, j'ai même pas regardé. Pas défini, okay. C'est vrai que j'ai complètement zappé moi. Ouais, bon, t'inquiète. C'est pas au pire, grave, on fera de l'entraînement, on trouvera bien l'entraînement à faire. Oui. Au pire, on a aussi la mission de Loulou. C'est vrai, ouais. Et le tank, Tiger, Loulou, moi. Et on en sait pas plus. Oui, il faut que je mette à jour, je serai pas là ce samedi. J'ai appris il y a peut-être 2-3 heures qu'on aura des invités samedi. Bah, tu te débrouilles. Tu les repousses, tant pis pour toi. Ouais, tu les mets à DCS, ils se démerdent. Bah, il comme... y a un ancien mécano Jaguar dans le tas, donc... Ah, il y a moyen. Pas de Jaguar dans DCS, donc on s'en fout. C'est lui qui va s'en foutre. Il sera content. Bah, allez les gars, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, plus, ciao ciao. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit, le tank. User disconnected from your channel. Ah, c'est vrai que du coup j'ai bon, je suis inscrit et pour le mois prochain j'ai pas regardé encore. Ah, tu l'as rencontré à Speak? Oui, j'ai eu l'occasion.
Alors, attends. Bah, moi, je vais mettre fin au stream, du coup. Hop. J'avais fait un peu de bateau. Y'a qui est connecté? Oh, y'a Bixco. Bah, tiens. Allez, hop, ça part pour lui. Un bon copain. C'est lui le pilote de F16 d'ailleurs, BXCO, celui dont je te parlais. Alright, hot dog, what's the reciprocal? Qui est un français anglais. Et c'est un monstre. Pas F16, F18, pardon. Il est dans une vraie escadrille américaine avec que des pilotes de F18. Ouais, non, le mec est. Bon, malheureusement, il n'y a personne qui part avec moi. Un spectateur. Maintenant, on peut plus héberger, c'est dommage. Avant, on pouvait héberger.